Hey, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous présente une petite zone de farm assez rapide. Après, je vais pas vous dire que ça remporte à tous les coups, hein. Le farm est super aléatoire dans vos longues, même avec de l'équipement pour avoir de la chance et de l'obtention. Mais voilà, c'est une zone qui est rapide et qui peut quand même décrocher quelques petites pépites avec le temps, avec la chance aussi. Donc je vais vous montrer déjà où on est. Donc moi je suis en New Game Plus, hein, vous pouvez le faire en première partie. Donc on est à la partie 2, donc c'est une zone que vous aurez assez vite. C'est une bataille annexe. C'est le comte de Guigouzi. Guigouzi, je sais pas comment on dit. Donc voilà. Donc c'est une bataille annexe, c'est un seul singe à tuer. Donc ça se fait très rapidement. Donc moi je vais vous montrer à peu près l'équipement que j'ai. Pour le farm, alors on a le marteau du maître forgeron qu'on achète au village, qui a un taux d'obtention A. L'animal totem Yinglong qui a un taux d'obtention, pardon, A, d'obtention A, j'ai du mal. La tenue dominateur de Hebei, il faut au moins 4 éléments pour avoir le taux d'obtention A également. Donc moi j'en ai 3 et j'ai mon arbalète qui sert de joker. J'ai mis des dés de Liube en bronze, qui ont 36 de chance chacun. Sur l'équipement, j'ai rajouté un petit peu de chance où je pouvais aussi, parce qu'on ne peut pas le mettre sur tous les équipements, la chance. Il y en a même sur mon arc. Et il y en a aussi. Non, il n'y en a pas sur l'arme, parce que l'arme là, ce n'est pas celle-là que je vais utiliser. Donc on va utiliser le marteau. Donc, je vous conseille, c'est d'augmenter un peu le feu, la vie. Vous embêtez pas, hein, vous faites un build comme vous voulez, hein, c'est juste pour le farm. Voilà, moi là, j'ai utilisé un autre build, mais vous pouvez très bien mettre le feu. Il y a une technique d'eau aussi qui marche très bien, mais moi là je suis avec le feu. Donc vous montez bien le feu, vous montez un peu le bois avec le niveau que vous avez. Moi je suis au niveau max. Et vous allez utiliser tout le temps la technique. Pardon, on y retourne. Moi je vous conseille de faire comme ça. Engloutissement infernal. Vous pouvez aussi augmenter avant avec fléau élémentaire, mais c'est pas nécessaire si vous avez un bon niveau en feu. Et en fait, le but c'est de dès que vous allez commencer le combat. Donc on va... Oui, on a le marteau. On a le marteau, je vérifiais juste. Vous allez courir, arriver, le singe va apparaître. Et dès qu'il commence à apparaître, vous déclenchez 3-4 de vos sorts. Vous reculez, vous esquivez, il va attaquer, ainsi de suite. Et en rien de temps, vous allez le fumer. Donc voilà, et vous recommencez encore et encore jusqu'à avoir du 5 étoiles, du 4 étoiles. Puis ce que vous cherchez, si vous cherchez quelque chose. Ok, donc j'espère que vous avez tous bien compris. Et ben on va aller chatouiller les oreilles du gentil petit singe. Donc on met déjà le doigt sur la gâchette. 1, 2, 3, 4, allez. Voilà, on se protège, on attend. On esquive quelques coups. Il va faire, voilà. Tac, un coup de marteau. Ça marche bien, là on le crame. C'est pas grave, il nous touche même pas. Hop là. Donc il est déjà quasiment cuit, il nous rattaque. Donc ça c'est du pain béni quand il nous attaque. Vous lui faites sa garde. Et voilà. Donc ça c'est moins bien passé que d'habitude. D'habitude c'est plus rapide. On va en refaire une petite pour le fun. Donc là on a eu que du 3, ouais. Ah, et on est... Taux d'obtention A, on a de la chance, on a tout, on a du 3. Je comprends pas comment fonctionne ce jeu. Et des fois, quand j'ai pas l'équipement pour farmer, je chope du 5 plus facilement, j'ai l'impression, des fois. Donc voilà, bon, on va refaire. Donc si vous voulez recommencer, défi à nouveau, le même champ de bataille. On va le faire vite fait, et après on arrêtera la vidéo, c'est juste pour vous montrer. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette zone de farm, mais bon, on ne sait jamais. Donc c'est une zone qui est accessible au début et qui est quand même franchement rapide. Ok, là on y va direct. Pas de chatouille, pas de papouille. Le doigt sur la gâchette, on y va. 1, 2, 3. Et un quatrième pour le fun. Allez, boum. Voilà, là c'est mieux là. On esquive, on remplit la barre d'esprit bleu. Allez, il va attaquer. Du pain béni ça. Quand il fait ça, c'est du pain béni pour vous. Allez,
Voilà, vous voyez, il est cuit là, il est fini. Allez, il attaque. Bah, il attaque la copine. Voilà, ma calée s'est cramée. Bon, j'ai eu du 4. Voilà. Ce qu'on vise, bien sûr, en New Game Plus, c'est le 5. En plus, moi, j'essaie de trouver de l'équipement en 5 pour la grâce de Ling Bao. Mais c'est vraiment pas évident du tout. Donc voilà, donc vous faites ça à répétition, tant de fois que vous voulez. Jusqu'à obtention d'un certain équipement, vous pouvez tomber sur des armes, vous pouvez tomber sur des armures, vous pouvez tomber sur des accessoires. Donc bien sûr, en toutes les étoiles différentes, et bien sûr, quand on farm, on veut du bon matos. C'est là, malheureusement, dans Wulong, le farm est très 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 compliqué. Et très aléatoire, vraiment. Même en essayant, comme je vous disais, avec l'équipement, c'est pas évident. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous servira, on ne sait jamais, si vous découvrez le jeu. Ça peut peut-être vous aider pour le début du jeu. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous découvrez ma chaîne et que le contenu vous intéresse, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et de me laisser un commentaire, j'irai faire un petit coucou, sur votre chaîne. En attendant, les amis, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, bye bye.